J'ai perdu mes cheveux. Ah merde. Mais ouais, tu les as perdus à la fin. Voilà comment le premier vel, ben c'est lentille tous les jours. Et arrête de ma gueule. C'est drôle. Pourquoi? Parce que c'est improbable, il y a 3000 miroirs dans cette maison. Mais c'est parce que là t'as une petite glace en fait. Comme les lentilles sont là, ben je prends mes lentilles, là je les souffre, et la glace que j'ai le plus près c'est celle-là. D'accord. Et elle marche très bien. D'accord, très bien. Mais n'aie pas ta chauffeur. Mais je suis au travail. Justement, bon, alors, ça va bouillir. On aura 12 minutes. D'accord. Des pâtes, oui mais des barilla. Il est 23h, nous tournons le clip demain après-midi et nous sommes en atelier manuel pour pouvoir terminer les derniers accessoires du clip. Il me faut l'étiquette sauce piquante pour mettre sur la grosse bouteille et je vais couper des lettres pour mettre sur le gilet pare-balles. C'est parti. Dans le ciel. De problème. Si ça avait été la petite sirène. Je renierai ma famille. Je renierai. Quoi? Mes amis. Ah oui. Et à la fin, ça aurait fait. De problème. Et après, en tout petit. Dieu réunit ce. Vas-y, toi fais. Hey, moi, je vais faire l'accord derrière. Qui sait? Et là, t'arrives sur la grande méchante. C'est ça l'idée? Ursula, qui arrive comme ça. Avec ses murennes moches. Ursula! Oui! Oui! Je renierai ma patrie! Je renierai qui? Mes amis! C'est ça. Dans le ciel. Ursula! De problèmes. De la sauce piquante. Je sais pas combien je dilue. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait de la texture. Sinon, ça va être relou. Mettre de l'eau là-dedans. Sauce piquante. En vrai, elle est pas mal. Elle donnerait presque envie qu'on l'achète. Énorme sauce piquante. Qui va pas piquer du tout. Personne le saura. Personne le saura. Je sais pas combien de mailles il faut que je monte pour être à peu près comme l'écharpe que j'ai achetée. D'ailleurs, je vais aller chercher tous les accessoires pour le clip. Making of. Il y a un interrupteur pour. Alors je pense que ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est peut-être sur ta lampe de remettre juste du 5006. On va juste mettre la bonne intensité et puis faire un gris avec ça et après on remet. Ouais. Je pense que c'est pas mal d'avoir un gros contraste avec la lampe là. Impeccable. Ça me paraît un petit one shot qui me paraît bien. Hein. Tiens, dis-moi Loulou. Voilà, scène 1. Terminé. On peut retrouver de la lumière du jour. Là, on va être obligé de tout fermer pour faire la scène de la cuisine. L'époque, ça aussi. Ouais. Je pense qu'ils ont pas changé de visage. 50 ans, je pense. T'as mis ça sous ta tête là? Bah oui. Ah oui. Bah t'imagines sans mes cheveux le bordel. Bordel. J'ai beaucoup de cheveux. Quand même, on dirait pas comme ça. En mode Drew Barrymore. Alors attends. C'est bon, parce qu'on vient d'essayer. Bah vas-y. Ok, merci. Complètement dénué de sens. Bonjour du papa. Allô. Quel est ton film d'horreur préféré? Merci. Quel est ton film d'horreur préféré? Même pas, il a une voix super cool. Est-ce que tu le fais comme ça en mode sérieux? Ou est-ce que tu le fais un peu en mode scream? C'est quoi scream? Bah tu sais, un peu naïf, tu vois. Si tu veux. Je sais pas si c'est un moyen de le faire. Ça peut être rigolo. Ouais. Allez. 3, 2, 1. Je suis prêt. C'est pas mal comme ça. À manger. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais quand même. Enfoncer le dispositif de sécurité jaune. Ah oui. Ok. Dispositif de sécurité, check.
Donc là, on n'est plus en sécurité. Là. Visez la base des flammes. Il n'y a pas de flammes. Appuyez sur le levier rouge. Ah, j'ai trop peur de tout ça. Je vais dans l'herbe. Quoi ? Qu'est-ce que ça fait ? C'est bien, hein ? Mais ça, faudra que je fasse vraiment ça, quoi. Oui, c'est bien. Genre... Ouais, en fait, tu peux pas doser, c'est soit genre... Bon bah ça sera ce que ça sera, ça le fait hein, en fait. Très bien, nickel. C'est ta taille qu'on peut vous dire. T'en faut vraiment pas que je sois vers toi. Faut que j'arrive à faire juste un petit pchut, ça serait bien quoi. Mini pchut. Alors, t'es prêt Loulou ? Ouais. C'est pas collé à des plans qu'on a fait avant, on est d'accord ? Non. Ok, super. Quand tu veux Loulou. Là je l'ai bien géré. C'était bien. Ça me paraît bien hein. Coucou. Coucou. On a fini avec les premiers lieux qui étaient à la maison, maintenant on va chez les parents de Louis. On fait deux scènes chez mes parents et on aura terminé de faire tous les couplets. Je suis contente parce que ça rend mieux que ce que j'avais en tête. Ah oui, ça rend. Enfin, tu sais, parce que je savais ce qui allait se passer dans les plans, mais je savais pas ce que ça allait rendre visuellement. Couleurs, la lumière et tout sont trop bien. Hop, 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 c'est canon. Ouais. Je suis contente, trop hâte de monter ça. Et là, c'est parti pour la suite. Impec, merci. Je suis pas dans le plan au départ, j'imagine. Ouais, là t'es pas dedans. Donc tac. Quelqu'un pourra faire le bruit, genre PAN. Comme ça, je ferai, avec ma bouche, je ferai pas un POUF. PAN. Alors. Je la pire mort. Moi, je trouve ça très drôle. Ouais, ça fait marrer, ouais. Loulou ? Ouais. Quand tu veux. Alors, on commence par quoi ? Ah, le gouverneur a du Ricola citron mélisse dans la pelouse. Ricola. Le dernier. C'est bien qu'on peut pas tout sur ta gueule. Ouais. Que en gros, qu'il soit toujours cadré pareil et Loulou, toi tu. Ouais, moi je fais Ricola avant. C'est quoi cette posture ? C'est pour me mettre dans le rôle. Non, non. Ça s'arrange pas en fait ce soleil. Enfin, si, mais. Il y a un nuage qui va arriver bientôt là. T'as voulu aller à l'intérieur de ma prison et détruire tout ce qu'il y avait. Qu'est-ce que. De base, regarde vers où à peu près. Alors, de base. Ah, de base. Tu regardes vraiment un peu dans l'axe de moi, à peu près. Genre là. Et puis tu montes vers Louis. C'est comment la lumière là ? Ça descend, ça descend. Ça descend. Écoute, quand tu veux, Tony. Ah, ça marche. C'est très bien. Il y a un gros nuage qui arrive. Je regarde par où ? Là, comme tu fais, c'est bien. Alors, qu'est-ce que ça dit ? En vrai, le côté quand même contre-plongé, ça fait un truc stylé. Ultra... Oui, sur un petit bout à prendre, ouais, je pense. Ouais, ouais, non, c'est trop bien. Okay. Bravo, bravo. Parfait, parfait. Là, ça marche, ah oui, ça va, c'est vrai. Ouais. Là, je pense qu'on sera pas mal. En vrai, je pense qu'on a un truc qui est pas loin de la vérité. Hein. En gros, tout d'un coup, cette course-poursuite-là, il te plaque devant ? C'est ça. Ok. Il faut juste qu'on voit comment il me plaque. Parce qu'en fait, dans le plan original, il la plaque de côté. Alors que là, il arrive de derrière, donc je sais pas si ça va marcher. Faut essayer. Faut tester, ouais, carrément. Attends, je te laisse ça. Oui, bien sûr. Parce que j'ai peur de faire de la merde avec. En gros, toi, tu vas tomber à droite du matelas. T'es sûr que c'est logique, ça, faire à droite ? Ah oui, parce que regarde, tu vas voir. D'accord. C'est pour pas qu'on se fasse mal. Vise la droite du matelas, toi. Vas-y, cours. D'accord. Et je vais faire ça. D'accord. J'ai compris. Comme ça. Si tu vises la gauche et moi la droite, je vais te tomber dessus. Oui, oui. Donc là, en fait, ça va faire un truc qui fera pas mal. Ok. J'ai perdu mes cheveux. Ah merde. Tu les as perdus à la fin. En vrai, ça marche en plus. Hein. On se fait des sales souvent, mais j'ai envie de recommencer. C'est ouais, c'est parfait. C'est parfait. C'est impeccable. Allez.
Ah, c'est cool. Oh, il y en a plein de pas à péter en dessous. Ah oui, ouais. Remboursé. Oh, les guignols, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, là? Ah, ça filme. Oui. Ah, sur le sol. Excellent. Tu ramasses les popcorns? Ouais. Bon, bah, du coup... Finito pour aujourd'hui. Next demain, quoi. Tomorrow. The next tomorrow. Yeah, yeah. Ok. Impeccable. Impeccable. C'est comme ça qu'on aime bien. Mais il faut que je prenne un Doliprane. Bon, pas après. Donc Doliprane, check. Check. Tournage jour numéro 1, check. Check. Normalement, si on se débrouille bien, vu qu'on était pile dans les timings là aujourd'hui, demain soir on a fini. Alors qu'on avait prévu 3 jours, on aura réussi à faire tout en 2 jours. Ça serait stylé. Ça serait stylé. Bonjour, c'est le jour 2. Bonjour, c'est le matin. Halloween, c'est pas flippant du tout. Halloween, c'est pas flippant. Non. Les slashers, c'est jamais très flippant. T'as un tueur en série, mais qui est genre limite. C'est tellement too much que c'est pas flippant, parce que tu sais, c'est le mec, il est increvable. Vous avez voté pour qui ce soir alors? Je vais voter pour Cheval de Troie. Alors, c'est Cheval de Trait? Non, moi, le film, il y en avait un, si vous avez suivi votre propre. Ah, il y avait Cheval de 1, Cheval de 2 et Cheval de 3. Ok, voilà. Ouais. C'est pour le troisième alors que vous avez voté. Cheval de 3. Ok, je veux pas le savoir, ça reste anonyme. Bonne soirée. Salut. Alors, tiens. C'est pas prêt, hein, c'était pour moi ça. Merci. T'as vu qu'il y a dans les tribunes? Oui. Salut. Bonjour. Antoine, il se fait gronder au téléphone. Il se fait gronder par qui? Je sais pas, mais ça d'être une femme qui a beaucoup d'autorité. J'entends sa voix d'ici. J'avoue, on entend bien fort la voix. Ah, il fait pas le mari, là. Par mail, ouais, tu sais, le truc par mail. Aïe, aïe, aïe. Ouais, la fuite. Non, non, on vous a convoqué 3 fois, vous n'êtes jamais venu. Oui, mais... Oui, mais... Je vous l'ai envoyé par mail, mais le mail s'est perdu. Putain, il a bien retourné le truc dans son sens. C'était mal barré. C'était moi une... Ouais, c'était chaud là. Je sais pas pourquoi, c'est comme toi. Et moi, ça finit toujours plutôt mal. Ah oui, vas-y, fais-le chanter. J'aime pas trop quand ça fait peur. Oh, c'est horrible. Horrible. Je sais pas pour toi, mais moi, j'aime ça quand c'est bien cool. J'aime pas trop quand ça fait peur, mais je mate des films d'horreur. Ah non! C'est une caisse de résonance de ouf. Par contre, c'est lourd, quoi. T'as vite fait d'être fatigué à la fin du concert. On va être ta main. Faut que j'anticipe un peu mon truc. Tiens, échange. Attention. On y va, je tourne. Et c'est parti. Il remonte. Ok, je pense que celui-là est pas mal. Oui. On est en route pour le dernier lieu de tournage. Mais avant, je fais un dernier check pour être sûr qu'on n'ait rien oublié, parce que si on ferme la porte derrière nous, on est cuit. Et bah c'est parti pour le Sammy Skate Club. A tout de suite. On est fatigué? On est fatigué. Nous sommes en route pour le Sammy Skate Club. Toujours parfaitement dans les temps. Oui, là c'est on bien. Peut pas faire mieux de niveau timing. Sans se presser. Jamais se mettre dans le mal. Donc voilà, là on va tourner les dernières scènes, qui sont les scènes du refrain. Et tout s'est super bien passé, on est content. On a hâte de voir les images. On a hâte de voir les images. En plus Stéphane il a dit, j'ai vu les images, c'est bien, j'ai envie de la recarter. Bah oui. À toutes. Nous sommes en place au dernier spot. Stéphane est en train de mettre en place une dernière petite lampe. Et nous sommes bientôt prêts à tourner. Ça va être chouette! On a envie de voir les images, on n'en peut plus. Et on va attendre demain. C'est une fin de tournage. Voilà, ça range le matériel tranquillement. Ah, j'avais pas vu le gros Scooby-Doo. Ah,
D'accord, ça me fait bien. Oui, ça me fait un scooby. Alors voilà, ce soir, on mange du risotto. Oui. Devant Koh-Lanta. Oui. Vous me dites quand ça filme. C'est bon. Ça filme. Ça filme. Qu'est-ce qui se passe? C'est cool. Bon, les enfants. Oui. Vous l'attendiez, le précieux sésame. On rentre sur énergie. Ah oui. Incroyable. Incroyable. Putain, mais c'est trop trop bien ça, c'est le feu. Au meilleur moment, j'ai envie de dire, juste avant l'été et tout, c'est juste fou. Franchement, bien joué, beau taf. Le boss. Et ce journée, donc je vous donne un peu plus d'infos. On est à une à deux fois à jour. On est sur un créneau 13-16h. Okay. Ah, trop bien. Voilà, donc ça va débloquer, comme vous avez de l'éditorial, ça va débloquer aussi pour une de stream. L'année dernière, on était sur 10 000 vidéos, on est arrivé. Je suis là trop tard, on était aux portes d'énergie. On a reproduit, on n'a rien lâché, et voilà, on rentre sur énergie. Ça, c'est pas la classe. Let's go. Bien joué. Franchement, trop bien. Bravo pour le taf. Ouais, bravo, bravo tout le monde, trop trop cool. J'espère que tout va s'accélérer. Là, c'est un bel argument. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Tu vas débloquer plein de trucs à côté. Bah de ouf, c'est trop bien. Carrément, oui. C'est incroyable, franchement. Félicitations. Chapeau. J'imagine que Louis et Lorraine aussi, ça vous fait trop plaisir. C'est trop bien. Et c'est cool parce que ça montre que la collaboration entre nous tous fonctionne bien, quoi. C'est cool. Carrément. Bah ouais. Team de choc. Et merci voilà, de nous avoir appelé d'ailleurs direct dans la foulée. Trop sympa, trop cool. C'est normal, je vais vous glisser pendant 3 jours en disant en fait, je vous avais pas dit, mais en fait, on était rentrés sur la journée. Vous n'avez pas dit, mais j'ai zappé, désolé. Passez une bonne soirée. Allez, bonne soirée. Bisous. Ciao, bonne soirée. Ciao. À plus, ciao. Ça fait du liner de radio. Ça fait du liner de radio. Hey, du coup, je me mets dans la peau d'une radio de GTA. Here's a new... Yeah, yeah, I got it. Here's a new Linkin Park. Ah, il était bon. Yeah, yeah, I got it. Here's a new Linkin Park dance cover, New Divide. Allez, à toi. Pandora. 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 Imagine-toi aussi à la radio, genre... Yeah, yeah, GTA. I got it. Je te mets dans le bain. Yeah, 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 tonight, we talk with a big, big band, a big French band, Nito Ona. Thanks for listening to Pandora. Je peux refaire. On dirait les trucs quand t'achètes pas un plugin. Thank you for trying this demo. Bon, allez. Thanks for listening to Pandora. Notre phrase. Give it a thumbs up if you like it. On va voir ce que ça donne avec les effets. Give it a thumbs up if you like it. Tu filmes en continu? Ouais. C'est bien. Ouais. On est fatigué pour vlogger. On est fatigué pour vlogger. Il est 3h du matin. Stéphane est venu nous emmener les images vertes. Les images bleues, les images jaunes. Et quelle heure? Les images... Vers quelle heure? Bah, pas il y a une heure. Hein. Je vais pouvoir dire exactement, en fait. Heures. Pas il y a 3h, pas il y a 4h, pas il y a 5h, pas il y a 6h, pas il y a 7h, pas il y a 8h, mais il y a 9h, il est venu. Il y a 9h? Lire les infos à 17h. Il y a 10h donc. Et en vrai, je pense qu'on a chacun passé beaucoup d'heures dessus là. Mais on a bien avancé. Il nous reste le dernier refrain. Il nous reste presque plus beaucoup. Hein. Mais j'ai plein d'idées de, entre guillemets, effets spéciaux. Faudrait les noter. Incruster les scènes de Scream dans un écran de cinéma. Pour coupler. Pareil pour The Walking Dead et la télé. Et puis j'avais juste l'effet un peu, tu sais, amoureux au baseball là, quand on se touche la main. J'aimerais bien que ça fasse un... Limite, même s'il y a moyen de l'exagérer avec un espèce de truc rouge autour, même un cœur, enfin j'en sais rien. Oui, si, ça peut être un cœur, une espèce de zoom cœur. Ouais, voilà, c'est tout. C'est tout pour le moment. On regarde ? Ouais. Mais Tony, j'en peux plus. Le mauvais choix. Mais j'ai envie. On sort le 3h du matin sur le mais j'ai envie. Mais non, il est bien. Ah, il est parfait. Il faut le laisser comme ça. Mais je sais pas si on aurait eu cette idée cet après-midi. Hein. Pas dit. Bah, ça marche. Hein. Ouais, ça marche très bien. J'ai besoin du. T'en peux plus. Non, là, je crois que je sature. On a enfin fini le pré-montage du clip. On a exporté ça pour envoyer à Stéphane. Stéphane. T'as un enfant de 8 ans. Attends. Je suis un con. Je suis un con en pyjama. Allez. Donc. Arrête. J'ai fermé, je vais t'enfermer. Je disais.
On va retrouver Stéphane pour faire l'étalonnage ensemble. Mais du coup, il faut qu'on lui envoie déjà le petit fichier pour qu'il puisse lui récupérer le montage et voir s'il n'y a pas de problème entre nous, ce qu'on a fait et ce qu'il reçoit. C'est trop stylé. Voilà. Et bah voilà. Et bah voilà. Excellent. C'est bon. Le clip, il est là-dedans. Pour l'instant, il est là-dedans. Hop, vidéo. Bientôt, il est là-dedans. Tu me dis quand tu copies. Je vais copier. Vas-y, que je vais regarder le trajet. Vas-y. Voilà. Et voilà, il est dans ton ordi, du coup. Dada, tata flou. C'était joli avec le rose derrière. Ok. Va, tout revient. Le jour suivant, t'es toute flou, toujours. T'es belle. On est parti pour avec la petite version acoustique de Porque Te Vas. Premier morceau que j'enregistre du coup dans le nouveau studio joli. Qu'est-ce que t'en penses, mon chat? Arrête de manger mon ordi. Ok. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Ok. Voilà. On avait déjà parlé de Voxalized, oui. Où on a partagé des a cappella. Et donc, il y a un autre site qui nous a contactés, qui s'appelle Vocal. C'est le même principe. Et ils nous ont proposé un super deal. Et là, j'ai travaillé sur The Loneliest, qui est un morceau que Lorraine avait fait pour un piano-voix qui n'est jamais sorti. Quand on partage un a cappella, il faut préparer les pistes séparées des voix, sans effet, avec effet, l'a cappella tout entier, et faire une démo aussi pour que les gens puissent écouter avant d'acheter. Et donc la démo, soit c'est des arrangements, soit c'est des piano-voix. Et là, il n'y avait pas d'arrangement ni de piano-voix, donc j'ai fait un piano-voix, et Lorraine ne l'a pas écouté, et elle va l'écouter là, et j'en suis très content. C'est beau.